Bon, bref. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais, c'est pourri. Tout le monde dort encore et moi, je m'en vais avec Stéphane pour un tournage au drone à Maubeuge. Oui, Maubeuge, la ville qui fait rêver. Oui, Maubeuge, la belle Maubeuge. Bref, on va filmer une usine pour un projet de collège de Steph, en fait. Il s'occupe d'une vidéo pour un projet éducatif pour son collège et je vais lui filer un coup de main au drone. Donc voilà, on va aller filmer chez Tata. Ce n'est pas du tout le bordel dans mon coffre. C'est juste une impression de 36 manteaux et fringues de Mila. Ce n'est pas du bordel. C'est être prévoyant, chers amis. Voilà. Vous avez toujours un manteau dans la voiture au cas où. Même deux, même trois, même Mister Oizo. Pendant ce temps-là, bien sûr, tout le monde dort. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis accompagnée de deux demoiselles. C'est génial. Deux copines. Alors, comme d'habitude, Mila, elle s'est accaparée. Je sais pas si ça se dit. Accaparée. Elle s'est accaparée Elissa. Voilà, à chaque fois, Mila, vous savez qu'elle aime beaucoup se faire des copines. Du coup, Elissa, elle est en mode je suis obligée de dire des histoires. Non. Voilà. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on va aller se balader sur l'île. On attend Alex parce qu'Alex est parti à un tournage ce matin. Je crois même qu'il vlogue, mais je suis pas sûre. Mais je pense que ce matin, j'ai entendu prendre sa caméra et vloguer un peu. Et du coup, vous l'aurez déjà vu. Voilà. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ah, on est moche, hein, de près. Surtout toi. J'allais dire surtout toi. Bon, on est arrivé. Ouh, c'est immense le truc derrière. Fabrique de fer de Maubeuge. Je sais, on voit pas bien. Steph, ne referme pas le coffre, il me faut mon drone si tu veux que je fasse du drone. On est en tenue là, on est, il paraît, équipé, chaussures de sécurité et tout là. Bon, c'est parti, je viens de me préparer. Il fait assez bon aujourd'hui donc je me suis mis une paire de lunettes. Une fois qu'on a du soleil dans le nord, ça fait plaisir. On part sur l'île comme on vous l'a dit. On va aller faire un petit tour, montrer peut-être la place de l'île, la grande place de l'île à Elissa qui ne l'a jamais vue, etc. Voilà. Au niveau de ma tenue, bah, c'est très simple. C'est des fringues que vous avez déjà vues 100 fois. Mon t-shirt vient de chez Shein ou Romwe, je ne sais jamais. Mon chapeau, je suis pas sûre de laisser celui-là ou de mettre celui que j'avais mis hier, qui est un peu plus petit, un peu moins voyant. Celui-ci, c'est celui de chez H&M. Voilà, malheureusement, il prend toutes les pluches. Ça, c'est un de ses gros problèmes. Il faut que je rachète une petite truc anti-pluche avec les... Vous voyez ce que c'est, les espèces de rouleaux là, il faudrait que je pense en prendre un aujourd'hui. Et mes lunettes, c'est celles de chez Primark, parce que j'ai une super paire de lunettes noires, je ne sais plus de quelle marque, Balenciaga ou un truc comme ça, et je ne les retrouve pas. Et Elissa, elle est trop canon, elle est habillée, mais j'adore. Et j'adore tes boucles d'oreilles, je veux trop m'en prendre. Ça coûte rien du tout. Hein, ouais, un peu de toutes les couleurs, j'adore. Elles font toutes les couleurs. Elles sont magnifiques. Je pense que Primark, ils doivent les faire aussi. Elles font pas mal. Non. Parce qu'elles ont l'air tellement lourdes. C'est chiant parce que j'ai les anneaux en deuxième trou, ouais, ouais. Cache derrière. D'accord. Mais non, elles sont pas lourdes. Elles sont trop canons, faut trop que je m'en trouve, j'adore. Ouais. Bon, Mila a décidé qu'elle devait aussi porter un chapeau. Bon, du coup, on vient d'arriver sur la grande place de l'île. Pour montrer ça à Elissa, il fallait qu'elle voit un peu le nord, à quoi ça ressemble, hein, à quoi ça ressemble chez nous, quoi, voilà. Et du coup, cet enfant qui ne fait que râler depuis qu'on est arrivé veut manger, c'est là-bas, Elissa. Veut manger, donc on va aller comme d'hab quand on vient ici à pomme de pin, voilà, pour prendre un petit goûter. Bon, du coup on s'est arrêté à pomme de pin, j'ai pris ça pour moi. Bon, les petites dents, vous remarquerez qu'une petite souris est passée par là, voilà. Midal s'est pris un petit beignet au chocolat, Elissa n'a pris qu'une bouteille d'eau, voilà. Et moi j'ai pris un jus d'orange pressé pour moi et Mila. Et Alex est parti se prendre la tête à la Fnac, voilà, il est parti rechercher, essayer de récupérer notre G7X. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram ou même en vlog, en fait j'avais ma caméra, une de mes caméras de vlog qui était encore sous garantie 6 mois. On l'a envoyée pour la faire réparer par la Fnac comme prévu et ils m'ont envoyé un papier en me disant que en fait elle était déjà tombée, que du coup ils voulaient pas me la réparer et que je viens de la rechercher, quoi. En gros, bah, elle a garantie de 6 mois et ils m'envoient. On est ravis. Du coup, Alex, il est parti faire son petit scandale là-bas et je voulais pas y aller parce que moi j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc il est parti voir, voilà. Sachant que c'est vrai que quand on dépense autant d'argent que nous dans les matériels photo vidéo, dans les magasins comme la Fnac, c'est un peu abusé qu'on nous envoie bouler comme ça, mais bon. Voilà. On est toujours sur l'île, on est toujours sur la grande place. On
on s'est bien baladé. Je suis un peu surex, j'ai l'impression, pourtant je suis en automatique sur mon truc, mais il y a tellement de soleil, c'est ouf, le ciel est bleu, mais bleu, ça fait plaisir. On a fait plein de photos, j'ai fait plein de photos à Elissa, j'ai fait plein de photos à Alex, j'ai quelques photos de moi, j'ai des photos de Mila, je suis trop contente, on a des chouettes photos. Vous savez que j'adore faire des photos, c'est comme ça. On est passé chez Zara, Elissa s'est pris un petit truc et moi aussi je vous montrerai ça à la maison. Alex il est passé chez Carhartt et chez The North Face et il a pris un pull dans chaque magasin, trop joli. Il en a mis un sur son dos pour faire quelques photos, voilà. Pour préciser, à la base c'est mon cousin qui m'a offert un t-shirt pour mon anniversaire et Et il l'a échangé parce qu'il était trop petit. Mais il n'y avait plus ma taille. Donc il a pris un pull à la place. Et voilà. Qui est très beau d'ailleurs, un bleu, un pull d'un bleu magnifique. On a donné notre fille, on l'a laissé pour 48 heures à la DAS. Ou à Elissa, je sais plus, enfin bref. On va quand même aller la récupérer parce que j'ai quand même un petit peu peur qu'elle finisse dans la fontaine là. Qu'est-ce qu'on a fait? Raconte qu'est-ce qu'on a fait. On a dit que le dog était en lit, c'est celle qui l'a dit. Ce ciel. Je pense que ça fait 10 fois aujourd'hui que je vous parle de ce ciel bleu, mais franchement c'est un truc de ouf, j'ai l'impression d'être en vacances. On est arrivé à Villeneuve-d'Ascq, on va manger des sushis. Et on y va, c'est parti. Tu vas pouvoir goûter aux sushis du Nord. Nous voilà de retour à la maison. Mila est partie au dodo. Elissa est en train de monter son vlog je pense. Et moi je voulais vous montrer la petite tenue que j'ai achetée chez Zara, qui est vraiment hyper jolie. J'ai flashé dessus dans le magasin. Et je vous montre ça tout de suite. Et puis je vais vous la montrer portée aussi tant qu'à faire. Donc en fait c'est un ensemble comme ça avec le haut. Donc j'ai tout pris en S, parce que c'est assez large, que ce soit le pantalon ou le haut. C'est un peu resserré dans le bas comme ça. J'ai pas payé ça très cher. J'ai trouvé ça franchement les prix. Le pantalon était à 17 euros. Et enfin en tout je pense que j'ai payé genre 33 ou 34 euros l'ensemble. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas très cher. Il y a une petite ouverture comme ça. Et le pantalon, c'est un pantalon hyper long. Donc il faut absolument le mettre avec des talons par contre. C'est le seul inconvénient. Sinon, il faut que je le fasse reprendre pour qu'il soit plus court. Et hyper large. Mais je vous montre tout de suite à quoi il ressemble porté. Bon, Alex s'est un peu moqué de moi. Voilà. Mais moi, j'aime bien. Et du coup, je vous montre avec des chaussures noires. C'est pas très joli. Il faut vraiment que je me trouve une paire de chaussures beige. Mais autrement, je trouve ça canon. Ouais, c'est bon, c'est original, quoi. C'est un peu spécial, hein, comme d'habitude. On dirait que tu vas aller... dans le désert. Non, il faudra un truc dans les cheveux, tu vois. Ouais. Ouais, faire peut-être un truc, ouais, genre des gros bandeaux un peu travaillés ou un truc comme ça, ça peut être joli. Ouais. Voilà, voilà. Bon, il n'y a pas de raison que Rox fasse des hauls et pas moi. J'ai acheté ce pull The North Face, qui est vraiment pas mal. J'aime bien, puis c'est de la qualité. J'aimais bien la couleur, surtout, et les suites capuches. Je suis toujours bien avec les suites capuches, et il me va bien, la coupe, elle est bien, les manches sont assez longues et tout, j'aime bien. Et j'ai également acheté ce pull... Carhartt, qui est bien aussi. J'adore la couleur. En fait, mon cousin m'a offert un t-shirt Carhartt pour mon anniversaire. Il me l'a apporté, mais quand je l'ai essayé, c'était trop court des épaules. Du coup, eh ben, j'ai voulu le ramener. Mais comme je suis un gros chanceux, enfin, j'ai voulu l'échanger parce que j'avais le ticket de retour. Et c'était la seule couleur dans laquelle il n'y avait plus ma taille. Et des t-shirts des autres couleurs qu'il y avait avec cette poche et tout, je l'avais déjà. Du coup, comme j'aime vraiment bien la couleur de cela, eh ben, j'en ai pris un suite. Vraiment bien. Vraiment, vraiment très beau. Du coup, je suis en train de préparer mes affaires pour demain, parce que demain, on part, bon, je vous dis pas trop, mais demain, on part quelque part. Toute la journée, faire plusieurs choses, et on va vous prendre avec nous comme d'habitude. Et après demain, c'est le grand départ de moi et Elissa, on part encore ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de petits travel, comme on les appelle, qui se font là, et c'est cool. Et du coup, j'ai plein d'affaires à préparer. Et donc je vais vous laisser maintenant parce qu'il faut aussi que j'aille monter mon vlog et j'ai pas envie d'aller me coucher trop tard, sinon demain je vais être fatiguée, c'est pas le bon plan. Donc je vous laisse maintenant, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, je compte sur vous comme d'hab pour le liker. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on vous retrouve dès demain pour de prochaines aventures. À demain, gros bisous.